Et bah du coup c'est parti pour la quatrième game. Quatrième game qui se fait en solo sur Tanok. La game la plus croustillante. C'est celle où il est très difficile de voir les kills. Ça va très très vite. Allez, là c'est impossible fight d'entrée de jeu. Oh là là, Zephyx et Nounours. Oh, alors, est-ce que le joueur français va pouvoir le faire? Oh! Oh, c'est de chat, quoi. Oh la vache! Juste au cas où, Kara? Oui, je l'ai vu. Non, c'était pas ça que je voulais savoir. Juste au cas où, est-ce que les gens, ils enlèvent leur t-shirt et tout ça? Ouais. À chaque fois. Ouais, on est d'accord. Hein. Sur celle d'avant, je sais pas, j'ai un doute, faudrait que j'aille vérifier. Mais c'est ça, j'ai un doute aussi. Du coup, c'est là que je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien fait de l'enlever du coup? Ouais, non, mais dans l'ensemble. On va préciser. Dans l'ensemble, c'est bien respecté. Hein. Ok, ça marche. Peut-être juste celle d'avant, mais c'est. Préciser quand même. C'était peut-être un nouveau là sur celle d'avant. Bon, allez. Peut-être, ouais. Bonne chance. Ouais, c'est un nouveau, c'est un nouveau. Bon, j'ai raté un kill du coup. Ah, désolé. Pas grave, pas grave. Allez, à toutes. Tac. Ah bah le VIP qui fait le kill d'entrée de jeu comme ça, on est en... Il y en a qui ont vraiment de la chance quoi. Faut avoir les couilles hein, quand même d'y aller avec une arme comme ça. Alors... Ah bah ça se regarde. Hein. Alors nos deux joueurs qui étaient ici... Ah Maurice Chevalier, il a un frag, voilà. Donc c'est ici que j'ai raté le kill. C'est bien, j'étais bien au bon endroit au début. Donc ça va, hein, j'avais repéré directement les deux endroits où ça allait fight. Je m'améliore, clairement. Ne me remercie pas. Alors du coup, est-ce qu'il l'a tué? Sûrement dans une baraque. Alors, en général, dans les grosses villes, c'est assez statique, ça prend du temps. Voilà, les deux joueurs... Ah, Reska, qui a trouvé Tom Tom Go. Voilà. Alors Reska... Zephyx, Oiseau, Tino, tatatatak. Non, parce que pourquoi il a pas de sac à dos? Pas mal usé pourtant, Reska. Attendez, je vais vérifier ma liste de joueurs. Non, pourtant. En plus de ça, Reska. Reska, il est dans le moment. Bon, c'est juste qu'il a pas dû en trouver. Hein. On va se baser là-dessus. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir... Marina. Alors Marina... Là. Eh ouais, pas de casque. Ça, c'est pas facile ça. En solo, n'importe quelle balle te one-shot, c'est dans la tête bien sûr. C'est compliqué quand même. Naboo c'est sa soirée niveau malus. Hein. Naboo qui fait une game fougère. Alors Moru qui est pas très loin de Maurice. Oh là là. Bon bah c'est fait. Ah ouais. Oh la grenade. Ouh la grenade de Nico l'a fait tuer grave. Bah du coup tu commentes avec moi? Merde. Désolé. Du coup, tu commentes avec moi? Bah, ouais. Tu l'as vu ou pas me tuer? Non, je l'ai pas vu. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. J'ai fait un bruit et tout, là. J'ai pas vu du tout où est-ce que c'était. Alors. Ah, il y a un petit colis dans la flotte. Ouais. T'as Spike, il a. Du coup. Ah t'as vu, j'ai augmenté le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans duo volontairement. Ouais. Ah, Yoni et Cafio qui se cherchent là. À mon avis, Yoni devrait et trouver... Exodus qui passe en voiture pas loin. Cafio qui va chercher les gens, va regarder... Oh c'est Yoni qui... Yoni va prendre le kill sur Cafio, ouais, c'est obligé. Ouais, il l'a vu. Oh comment c'est envolé. Belle réaction ça. Mais je crois que c'est la fin quand même. Bon,
j'ai des chances. Eh, je lag de ouf là, qu'est-ce qui se passe? Le jeu a frisé. Bon. Ah, dis donc, Cafio elle s'en sort, j'aurais pas trop misé dessus. Hein. Elle l'a tué? Non, non, pour l'instant elle s'en sort jusque là. Ouais, voilà, jeu, frisé. Bon. Complètement frisé. Bon. Des fois, attends 20-30 secondes, moi des fois ça défrise. Bon bah Yoni, il a quand même pris le kill sur Cafio. Ensuite, où est-ce que ça va fight? Oh, Reska, Shackwell. Ah. Bah a priori, Shackwell a pas trop compris ce qui s'est passé. Et Reska qui doit être à son deuxième frag, ouais c'est ça. Deuxième petit frag. Alors Vince et Exadus qui sont très proches l'un de l'autre. Bam le nageur qui continue de nager. Oh là là, bam! Et bam! Qui s'envole dans l'eau! Alors, est-ce qu'on peut ouvrir les caisses des joueurs? Est-ce que ça, dans la mise à jour, on aurait le droit à ça? Eh non! Elle est belle leur mise à jour, hein, de merde là! Ah, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de lag tout à l'heure. Putain, je peux même pas Alt F4? Ça faut que tu changes de bureau, si c'est sous Windows 10, tu changes de bureau et c'est bon. Je change de bureau, c'est-à-dire? Tu fais Windows Tab. Tu fais Windows Tab et tu fais glisser ton jeu dans un nouveau bureau. Et du coup, tu peux revenir sur le bureau normal et tu peux aller le fermer sans problème. Alors, Exadus. Je te réexpliquerai au pire. Fais ce que t'as à faire, je te réexpliquerai. Si ton jeu il a crash, tu fais Windows. T'appuies sur ton clavier, tu fais Windows Tab. Oh la grenade! Oh la grenade d'Exadus, elle est trop bien! Il l'a déchiré! Mais à une putain de distance! Ah, j'y aurais même pas cru, tu vois. Allez, Vince, c'est ton moment. Ouais, donc tu fais glisser le jeu dans un nouveau bureau. Après, tu reviens sur ton bureau de base. Comment veux-tu faire le jeu dans un autre bureau? Je comprends pas. Rien que ça, déjà, je comprends pas. Quand tu fais Windows Tab. Oui, j'ai tous les trucs. T'as tous les trucs de partout. Et bah tu prends un PUBG et tu le fais glisser dans un bureau. Ça fait rien. Ok. Au pire, je te réexpliquerai à un autre moment. Non mais j'ai compris ce que tu veux dire, hein. C'est juste que ça marche pas. C'est étonnant, d'habitude ça marche chez tout le monde ce truc là. Parce que étant donné que tu changes de bureau, normalement t'as aucun problème. C'est pas possible que ça bug en fait, normalement. Ah bref. Alors, oula. Oula oula. On a l'agent McGee avec Marina qui se renifle le cul. Alors l'agent McGee qui décide de changer de maison. Alors. Ah, l'agent McGee qui décide de se barrer en fait. Alors où est-ce que ça va fight? Chanange qui fait du bon hors zone. Hein. Chanange, faut qu'il fasse attention. Il a tendance à être assez en retard. Oh, Exadus qui arrive à sortir Vince. Ça s'est pas joué à grand chose. Allez, je vais me refaire un petit tour de... Donc on a vu que Marina était bien monsieur propre, il n'y avait pas de problème. L'agent McGee. Est-ce qu'il est déjà mort ou pas? Alors par contre, un truc qui est génial, c'est que j'ai accès à la liste des joueurs qui soient vivants ou morts. Et ça, mine de rien, c'est juste ouf. C'est bon. Bon, je sais pas si t'as vu mon fight, mais les greux sont nuls. Ouais, bah, peut-être. J'ai pas vu. J'ai mis une greux avec Exadus, j'en mets deux dans la gueule, et dans ses pieds, mon parrain. Eh bah, tout à l'heure, tu vois les tours de gaz sur Erangel? Y en a un qui a acheté une grenade au rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée, y'a rien pour se cacher. Hein. Il a acheté une grenade au rez-de-chaussée et elle est pas passée. Alors que les mecs étaient à 1 mètre. Je vais perdre tout mon script, hein. Je vais être obligé d'éteindre le PC, je vais tout perdre. Au pire, fais un imprimé écran, je sais pas. Je peux pas, tout est bloqué, j'ai le jeu devant et ça bloque tout. Oui, mais quand tu fais Windows Tab, t'as bien accès à toutes tes fenêtres. Oui, Windows Tab. Ah, là, je... Attends. Bah, tu faisais pas le bon truc, alors. Pas Alt Tab, hein. Alt Tab, ça marche pas. Windows Tab. Ouais, c'était Alt Tab, parce que je faisais. Voilà. Ah, il me semblait, tu vois, ça marche pas. Tu peux quand même ne pas le changer de bureau. Normalement, là, t'as, en haut, tu peux créer des nouveaux bureaux. Tu peux rajouter un bureau, bah tu rajoutes un bureau, tu vas sur ton bureau 2. Ah, Moru qui a pris le kill sur Maurice. Ouais, c'est pas un bordel là.
Et ben une fois que t'es sur l'autre bureau, tu peux gérer tout ce que tu veux depuis le gestionnaire de... Enfin, tu... en fait, tu peux vraiment ouvrir ton gestionnaire des tâches. Oh, rien du tout, là, il y a des trucs partout. T'es déjà mort ou quoi? Bon, au pire, Vince, tu peux essayer. Tu vois de quoi je parle, Vince, ou pas? De quoi? La procédure, je disais. Arrête de te plaindre, Vince. Ouais, je suis bien d'accord, Cafio. Et oh, oh là, tire dessus. Non, je me plains pas, j'ai juste que les grues touchent, c'est tout. C'est ça. Les grues touchent pas, elles touchent que dalle. Ouais, mais ouais. Grues, normalement, une grue, ça suffit. Ouais, mais c'est pas. Alors, moi là, j'y peux rien. Oh, Sean. Oh là là, Sean. Ils disent que je me plaigne, au bout d'un moment, faut arrêter de. Oh là là, ça passe pas le tir. Bah, disons que c'est pas le lieu pour se plaindre, quoi. Je suis en train de streamer, je fais le tournoi et tout. Tu viens de plaindre quasiment à chaque fois. Je dis pas que c'est pas justifié, mais je dis juste que c'est pas le lieu, quoi. Oh, une petite balle qui touche. Attention, M24. Ah, il se cherche, il se cherche. Allez. Mais vise le casque. Voilà. Ah, il suffisait que je le dise, en fait. Vince, je peux juste je vais te décaler parce qu'il n'y a plus assez de place dans le channel. Si quelqu'un a un souci. Hop. Ouais, du coup, ZFX, toujours pas résolu le problème? Oui, ça y est. C'est bon, bah parfait, comme ça, si t'as pas perdu. Un bordel avec. Ouais, mais là, j'ai rien compris ce que j'ai fait. Il y avait des trucs partout. Je te remontrerai si tu veux proprement comment ça marche. Là, j'ai perdu plein de trucs. Là, ça va pas trop bouger. Ah, ici. Ah, bah je crois que c'est à mon tour de bugger. Ah non. T'es mort, Zephyx? Ouais. Ah mince, merde. Je suis mort pratiquement au début en plus. Y a pas de sub-bar à masser, quoi. Eh non. Mais j'ai quand même fait un kill. Ah, t'as quand même fait un kill? Ouais, j'ai quand même fait un kill, ouais. Bon bah Zephyx, c'est à mon tour d'avoir bugué. T'as bugué là? J'ai essayé de retourner dans le ouais. jeu. Ouais. Mais le jeu il est pété, hein. C'est une catastrophe. Ils font des matchs pour que ça soit pire. Et puis en plus, il me repropose pas d'aller en solo. Bon, allez, je ne propose même pas d'aller dans la game, bordel! Ah, fait chier. Bon, petit problème technique, ça va revenir. Les ingénieurs travaillent sur le sujet. Ah, j'ai toute une équipe derrière moi, vous la voyez pas? Moi non plus. Allez, on va essayer de relancer au plus vite pour essayer de perdre le moins de choses de ce qui se passe dans la game. Alors j'engueulerai les mecs qui organisent, hein, parce que bon, c'est un peu fait n'importe comment, on n'a même pas accès à la game entière. Alors s'il y en a qui se posent la question, est-ce que je suis en train d'essayer de combler ou pas, je dirais que oui, et que ZFX ne m'aide absolument pas. Hein ZFX? Ouais, là, j'aide pas grand chose. Je peux rien faire en même temps. Alors qu'est-ce que tu observes de ton côté? Moi de mon côté, j'ai un magnifique écran Steam. Ah bah là, ça y est, je suis dans mon replay, je peux rien faire d'autre. Ah, tu peux aller revoir ta mort, c'est bien. C'est pas très utile. Même pas, je l'ai même. D'ailleurs, pas question intéressante, ZFX. Aurais-tu fini dans le top 10 en étant VIP? Ouais, top 10, mais des premiers morts. Ouais, c'est ça. Ah ouais, par contre, faire le premier kill en étant VIP, c'est pas mal. T'as eu de la chance de rentrer qu'il y ait un flingue et de rush. Fait le premier kill en plus. T'as fait le premier ou le ouais, bah, ça s'est fait en même temps. J'avais pas le choix. C'est toi. Obligé. C'est soit toi, soit Maurice. Tu verras bien de toute manière dans les bonus attribués si t'as le bonus du flash. Ouais. Allez, on est revenu dans la game. Alors plus que 19 vivants. Allez, c'est parti. Quels ingénieurs? On se demande, TomTom. On se demande des stagiaires, oui. Voilà. Ah, c'est revenu toi. C'est qui à la réelle, bordel? Bah, c'est ça, c'est moi. Moi c'est revenu, je suis dans la game là. T'as de la chance. Allez, Gebul qui dégage Chosilv. Bah, Cho. De l'autre côté, Provel qui a Smat. Exadus qui a tué Vel'Koz. Vel'Koz certainement en référence à Vel'Koz. Oh, Sean. Sean. Sean est là. Ah, Sean qui attend son moment. Allez, Sean. Allez, une première bonne balle. Et tap. Ah bah non. Reska qui a tué Monsieur Oiseau.
Alors, je vais vous remettre la scène quand même. J'espère que ça va charger. Ça arrive, hein. Meuble HTV, exactement. Yes! On est de retour! Après la pub. Ah, alors que Sean n'a plus que 12 points de vie. Je ne peux plus rien faire. Si, c'est bon, je récupère le contrôle. Faut tout faire soi-même, faut faire la caméra, le tirage, tout ça. Si on fait pas tout nous-mêmes avec ZFX, y a pas moyen, qu'on peut compter sur personne. Alors pendant ce temps-là, Naboo s'est fait dégager par Boomer. Naboo qui était Bambi. Il était Bambi. Ah! Alors qu'on a Monsieur Propre ici, Madame Propre, qui est ultra bien planqué dans le plein centre zone. Ça, c'est parfait. Chanange qui s'amuse encore à faire du hors zone. Alors lui, clairement, emmenez-le pas au ski parce qu'il va vouloir faire du hors piste tout le temps. Hein. Là, c'est sûr et certain. Oh! Lunatic qui s'est fait défoncer par un M24. Une bonne balle dans la tronche de la part de Spike. Maman Jenny. Qui a son petit rocher, tranquillement. Non, ça, elle a pas rechargé son arme. Alors, Gayboul qui a tué Chanange. J'ai raté ça. Est-ce que Abra va en profiter? Allez, Abra. Pan. Pas mal. Ah ouais, ma création de frag et tout, c'est classe. Alors, qui est-ce qui reste dans la game qui aime Malucé? Alors, Spike. Il est hyper actif, donc il respecte bien son malus. Parce qu'il est bloqué à 75% de vie. J'essaye de regarder, j'ai sûrement raté du monde. Donc, Marina, c'est bon. Agent McGee qui est poids plume. L'agent McGee qui vient d'ailleurs de tuer la morue. Alors, ensuite, où est-ce qu'il va se passer le prochain fight? Oh, Boomer. Boomer, Exadus. Là, ça va fight. Oh, allez. Oh, le pauvre Exadus qui se fait avoir par la balle de car de Joe la canaille et non par la balle d'Aka de Boomer. Le pauvre s'est fait prendre en sandwich. Sean. Sean qui cale une bonne balle encore d'M24 et qui finit Boomer avec un joli spray à la M4. Ça marche très bien, une grosse balle pour entamer le joueur proprement, puis on le finit. Il y a un casque T3 par contre à aller récupérer, Sean, je sais pas s'il l'a vu. On va peut-être pas vouloir le tenter, je ne sais pas. Alors, Sean, Joe la canaille qui est très proche de lui. Alors, ça joue la carpette. L'agent McGee, est-ce qu'il a l'info? Je ne sais pas. Oh, l'agent McGee qui est sur un bon suceur double, là. Alors, Joe la canaille, qui reste dans la tente. Il sait que ça a tiré juste avant. J'arrive pas à voir ton stream, bordel. Fais que couper. Ah, merde! On a le son, mais toujours pas l'image. Ah, ça y est. Ah, c'est bon, si. Non, c'est bon. Alors, Abra qui a eu Spike. Et au final, on a très peu de personnes dans la zone. Alors par contre, je sais pas si... ouais, voilà. Attends, deux secondes, il se place plein de trucs, là. Du coup, c'est bien Joe la canaille qui aura eu Sean avec un tir de Hog. Alors, un joli full T3 ici. Attends, tu me redemanderas. Là, c'est vraiment la fin de la fin. Alors, l'agent Maggie qui arrive... La fin de la fin, c'est ban, hein, t'as vu, c'est incroyable, quoi. Comme fin de zone. Alors, Marina... Marina qui a quasiment défoncé la Maggie. Et Marina qui fait son kill à ban alors qu'elle n'a pas de casque. Oh, elle se fait racler le cul juste derrière par Joe la canaille avec un joli tir à travers ban. Et du coup, on a Gayboul qui cherche le kill sur Abra. Il a quasiment tombé. Joe qui est dans la pompa. Oh là 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 là, compliqué. Hein. Sauf que Joe, lui, il a sa petite guilie pour l'aider. Alors Abra qui lance des grenades, mais là c'est un peu le aléatoire. Hein. Ouh, c'est pas passé loin. C'est bon, Aban, tu lances dans une case, quoi. Alors apparemment, Joe la canaille, il a la vue aussi sur un joueur. Il a la vue sur Abra. Alors est-ce que la solution, c'est pas de jouer la hauteur à ce moment-là? Tu
tu montes au-dessus, est-ce que les gens vont forcément te chercher sur les poutres et tout? Alors attention à Joe, Joe ne focalise énormément sur la personne, quoi. Est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas. Et dans tous les cas, il se sera fait sortir. Il reste plus que Geboul versus Abra. Et là, on est en plein ban. C'est incroyable comme fin de zone, quoi. Alors Abra qui va tenter de reset complètement sa position. Et il a raison. Je pense que Geboul a l'info. Oui, Geboul a complètement l'info. Ah, dommage, un poil plus fort et c'était bon. Et Geboul qui remporte la game. Deuxième top 1 du coup. Deuxième top 1 pour Geboul aussi. Eh, décidément, il y en a qui... Ça joue ce soir. Hein. Il y en a qui performe. Là. Allez, du coup, le classement. Le truc que tu peux faire là, le à gauche, là. T'avais classement de frag. Et après, t'as quoi? Je voyais qu'il y avait une liste que tu pouvais dérouler. Bah, c'est juste la liste des équipes. C'est tout? Bah je crois que c'est ça, j'ai pas trop testé d'autres trucs. Du coup, première position, Geboul. En deuxième, c'est Abra avec 2 frags. Donc Geboul avec 4. Jolakana est à la 3ème avec 3 frags. Marina, 4ème position avec 1 frag. Et l'agent McGee à la 5ème avec 2 frags. Suivi, alors qu'est-ce qu'on a? On a encore Spike qui a fait 3 frags. Exadus qui en a fait 4. Reska qui en a fait 3. Alors, on va faire un petit imprimé écran de tout le monde. Jusqu'au 21, jusqu'au 32 et jusqu'à la fin. Eh ben GG. Ouais, du coup tu disais la liste que j'ai à gauche, c'est la nouvelle liste des joueurs en fait. Oui, mais je disais qu'il y avait, tu pouvais dérouler la liste de gauche à droite. C'est-à-dire qu'il y a il y a classement frag, mais il doit sûrement avoir autre chose. Bah je testerai sur la prochaine. Je t'avouerai que je me suis pas trop penché sur la question. Allez hop, on peut remonter. Je vais me planquer d'abord en zone. Eh ben GG. En fait. Voilà. Ouais, et tu sais, à la fin là, je sais pas qui c'est que je tue à la fin, mais je ramasse une grenade sur mon corps et je pense qu'elle lui fait très très mal la grenade. Oui, 60, alors t'as enlevé 61 points. Qui est-ce qui a acheté une grenade là qui parle de grenade? À la fin là, quand je finis le mec là, le deuxième. Un bras. Et bah, en gros, je chope une grenade sur un mec que je loot quoi. Shazam! C'est ça, et il a été enlevé 61 points de vie. Ah bah voilà, bah tu vois, elle a fait mal. Ah oui, elle a fait très mal, ouais. Je pensais pas, je t'avoue, je pensais pas qu'elle fasse autant. Bah ouais, je pensais qu'elle était loin. J'ai vu le frag, ouais, alors que t'avais pas de casque en plus. Sanox et ma map. Ah, attends, ouais. Je demande juste un service, c'est de combien de frags Balus. Moi? Un gros zéro? Alors, réglage de match, on importe genre, un fichier. Je passe un rocher, je tourne la tête sur la droite, chargé. Le gars était à gauche. Bam, balle en pleine tête. Direct. Kara? Oui. Au cas où, j'ai envoyé un message à The Fix pour dire que j'arrêtais. Ça marche. Non. Ça marche, ça marche. Oh non. Tu nous quittes. Tu dois en envoyer un à tout le monde pour dire que t'arrêtes. Ouais. Mais arrête. Non, demain, faut que je me lève pour mes enfants. Bah ouais. Non, ça sert à rien. Ouais, merde. Tu rigoles? Ils vont à pied à l'école. À quelle heure t'ouvres le congé là? Ah, 6h, le temps qu'ils décongèlent pour 8h, c'est bon. Putain. On va leur mettre une serviette sur moi. Vous êtes tellement sale. Mais tellement. Bonne nuit, Cafio. Non, c'est ma madine. Ah, dommage. Non, mais en fait, c'est parce que vous regardez, et puis là, je vois le café qui s'allume en même temps qu'elle parlait, donc. Non. Loupé. Loupé. Je connais pas leur voix, quoi. Téléphone. Ouais, téléphone, ouais. Netflix, tu nous mets avec café toutes les deux, hein. Non. Je retiens quand même que je suis le VIP et je fais le premier kill de la game. Hein. C'est ça, et alors. Ben moi, je retiens. Et ben moi, je retiens que j'avais pas de casque et que je suis resté quatrième quand même. Moi, je veux pas de malus. Yes. Netflix, t'as eu mon message? Ouais, c'est bon, ouais, merci. Ok, ça roule. Bon allez, je vous dis bonne nuit à tous et bonne game. Bonne nuit. Merci. Merci. Salut Marina. Ah, le mec il a dit dans la gueule. Et moi je t'ai dit au revoir. Hein. C'est qui allez, qui était dans la maison? Kara, c'est qui était dans la maison quand j'ai lancé une grenade? Oh, à quel endroit? Où? Quand? Comment? À côté de Ban. Ah je peux pas, là je sais pas, je peux pas le dire. Alors oui, je suis observateur, mais non je suis pas omniscient non plus, je peux pas tout voir. Oh t'es nul. Faudra regarder.
regarder. Ouais, franchement. Ouais. Par contre, sur le replay, tu dois le voir à qui tu lances. Parce que avec la... j'ouvre très régulièrement la minimap et de toute manière, sur la minimap, il y a tout le monde. Donc tu devrais pouvoir le voir. Parce que j'avais. Il y avait quelqu'un dans... qui courait, qui était rentré dans la maison. J'ai tiré deux grenades. Il s'est barré avec des fumées. Ça, c'est moi. Ouais. Ça c'est moi mon gars, je me suis barré, j'ai été campé, après une fille, je me suis mis gars déjà, c'est moi. Pardon. Alors, juste, s'il vous plaît, juste avant qu'on donne les équipes... Il dégueule dans son micro. Ah les gars, juste avant qu'on balance les équipes et que vous cassiez du channel solo, pour la game suivante, du coup ce sera une squad uniquement MP5K, donc la nouvelle arme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle tire du 9mm, et pour ceux qui ont un peu l'habitude de jouer l'UMP, on va dire que c'est une arme qui a à peu près le même recul. Salut, que... salut. C'est à peu près le même recul que l'UMP. Sauf que ça tire beaucoup plus vite. Voilà, c'est à peu près l'idée que c'est qu'il faut s'en faire. C'est un vecteur en 9mm, quoi. C'est un vecteur en 9mm, mais c'est un vecteur moins puissant, mais qui tire très bien. Moi, j'ai fait 2-3 tests alors à la x3, ça ne bouge pas. Moins de recul. Ah, y a, c'est beaucoup plus agréable qu'un vecteur en fait. T'as enlevé ton recul ou pas? T'as mis le patch? Exactement. Ils sont rapides pour cheater. MP5. C'est ça, donc c'est MP5K. Je sais pas cette arme. Non, moi c'est celle qui ressemble à. Le nouveau vecteur. C'est ça. Alors, bien évidemment, comme c'est la première fois qu'on teste de balancer cette arme là, potentiellement il va y avoir des bugs, il risque d'y avoir d'autres armes qui spawnent. De la même sorte que quand on joue uniquement les Bérils ou la Mutant, des fois il y a l'autre arme qui apparaît, on sait pas trop pourquoi. Alors là, si vous trouvez autre chose, bah vous le jouez pas. Vous jouez uniquement la nouvelle arme. Okay. Désolé, Kara, tu peux répéter, j'étais en train de bouffer. Bah non. tu demanderas à tes mates qui ont été fort attentifs à ta place. En même temps, les gars, il m'a commencé à 20h30, s'il te plaît, il faut bien que je mange quand même. Moi j'ai pas mangé, mec. C'est de la faute à Carence, hein. Toi, tu démerdes. Ah bah moi je me démerde, hein. je fais comme je peux. Ouais. Sachant que j'ai même pas l'occasion de mourir pour aller manger, quoi. Ça me fait 10€ par heure de perdu. On va faire les éventes minuit, 4h en fait, du matin, ce sera mieux. Ouais, tout le monde aura mangé, quoi. Non, moi j'ai 2h à 4h. Phil, je suis désolé, tu viens d'arriver, mais là c'est le tirage. Non, bref. Ah ouais. Putain, c'est le tirage au sort qui a tranché. Alors, si on se fait un petit point classement, pour l'instant il y a toujours Zephyx qui est devant, mais de 10 points seulement, il est devant Boomer. Salut, Phil. Donc il n'y a que 10 points d'écart et il n'y a que 40 points d'écart avec Geboul qui est à la 3ème position. Allez, et suivi de très très près, suivi de très très près par Lunatic. Et encore juste après, on a Marina. Et ouais. En vrai, vous vous tenez... Vous, alors, sur... Là, le deuxième et le troisième sont dans la même équipe. Ouais. Le deuxième et le troisième sont dans la même équipe. Eh bah, liguez-vous tout pour... Fixe, voilà. Alors, sincèrement, vous vous tenez vraiment dans un mouchoir de poche, quoi. Oh non. C'est hyper actif. Allez, défoncez-moi ce Zephyx là, histoire qu'il gagne pas là. C'est bon, on m'a déjà tué en VIP. Ça va, il y a l'excès. Oh non, putain. Naboo, t'as encore un malus? Non, je suis avec un malus, le VIP, 3 VIP dans la soirée. Oh Zephyx, putain. Tu peux pas mettre une veste rouge? Une veste rouge? Ouais, ouais, alors t'as eu 3 VIP dans la soirée, sachant que la seule fois où le VIP a fini dans le top 3, ou dans le top 5 plutôt, pour marquer des points bonus, bah t'y étais pas, quoi. Ah bah oui. Mais à ta place, je me poserai des questions quand même, hein. Scandale, c'est mon 3ème malus de suite. Oh, ça arrive, hein. Oubliez pas qu'il y a un tiers des joueurs qui sont malusés à chaque game. Pour rejoindre les parties. C'est vrai en plus. Donc, mais sur le prochain logiciel, ce ouais. sera... Attends, on a un malus et puis derrière on sera plus dans les malus, c'est ça? Alors normalement oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, je suis là, je regarde un peu. Ça marche, mon Johnny. Bon, j'espère que t'as kiffé un peu quand même. Fard, t'as fini combien toi? Mangiani, 17. Taper le premier malus, par exemple, ils sont ça va dans la 17 sur 30 donc, quelques, si t'es pile milieu de tableau quoi. Au moins un malus, ouais. Après, pour quelqu'un qui vient de démarrer, c'est très très bien. Donc du coup, en gros, sachant qu'on est entre 35 et 40 joueurs en général, minimum un malus, on s'attrapera, voilà, minimum 1 et 2 maximum. Ouais.
28 joueurs qui sont rentrés. Oui, non, c'est parce et que on là... a. Si on arrive à faire le. La 3 fois 9, 27 et 4. Bien géré. Normalement, c'est bon, il me dit. 31. Le mec, il me dit qu'il avance pas mal, donc on verra ça. Ouais. Il nous manque que 2 joueurs a priori. Vous payez le logiciel comme ça? Non. Non. Non, c'est vrai que là-dessus on a de la chance d'avoir des personnes qui ont décidé de s'investir et faire des logiciels, quoi. Mais non, c'est gratuit. Il faudra s'inscrire sur un site, c'est ça, hein, je crois. On verra. C'est ça, faut envoyer 100€ de dons et on t'explique comment ça marche. Non, bah finalement, j'arrête. Et comme vous avez deux, à vous, en plus, c'est multiplé par deux. Bah non, faut que je trouve un autre event. Non, c'est au carré, en fait. T'emmerdes pas, Zephyx, c'est au carré, c'est 100 x 100, donc ça fait 10 000 balles. Après, c'est x2. Putain. Bon, ah ouais, non mais tant qu'à faire, tant qu'à dire de la merde, autant y aller, franchement. Combien, là, on est... 29, qu'est-ce qui manque? Alors, y a Team 9, il manque une personne. 31, là. Alors, Team 9, moi je vois Exadus et Tyrion. Du coup, il manque Tino. Ah, je vais le... Tino, t'as un souci? Non. T'es où? Ah, t'es pas dans la bonne team? Dans la team dans le channel ou dans le truc? Dans le jeu. Dans le jeu, t'étais dans la team 8. Mais on m'a encore bougé là. Bah là, je t'ai bougé dans la team 9. Ah ouais, excuse-moi. T'étais dans la 7. J'ai vu Nico nous rejoindre, en fait, je me suis dit, merde, je suis dans la 7. Du coup, qu'est-ce qui manque d'autre? 30. Ah, team 4, Jola Canaille, Arco. Team 4, Kous. Il manque le couscous. Allez, à toutes, bisous. À toutes. Couscous, c'est bon pour toi? C'est bon. Ça y est. Déjà dit. Ah. Voilà, team 4 et puis c'est bon. je t'ai déplacé, c'est bon. Ah allez, bon, bah, parfait. 4. Vu que j'ai lock. Merci, Cara, vas-y, go. C'est merci. Bon, tout le monde, 31. Ouais. Allez, bim, game 5. Alors. Haha, faut que j'aille mettre les bons malusés. Hop. Copier pour avoir le bon truc sur la vidéo derrière. C'est mieux. Allez, nom des joueurs. Allez, les gars. Bah, bon chance. Merci beaucoup. Bon chance, merci. Bon, et butez Zephyx. Hein. Je vous dirai, ouais. je vous envoie MP où il est, je vous dis, il est là-bas exactement, tout ça. Allez, à tout. Vous voulez sauter où, les gars? Alors, ça, c'est bon. Game 5, on est bon. Alors,